inarrêtable. C'est pour ça qu'en effet, ça ne peut pas être juste un rendez-vous ou un sommet, et puis chacun repart chez soi, chacun reprend ses habitudes. Donc ce sommet, il vient après plusieurs étapes, on y reviendra sans doute dans les débats. Ce sommet, il a été préparé, et je veux vraiment remercier le professeur Achille Membe, et remercier toute la commission qui l'a entouré. Merci Achille. Parce que c'est un intellectuel, il a sa propre relation intime, personnelle, intellectuelle et artistique, avec évidemment le continent. Il est un commentateur non complaisant de la relation entre la France et l'Afrique. Mais je peux vous dire qu'il a passé un temps colossal à animer, préparer, travailler avec justement des groupes de jeunes partout à travers le continent pour que ce nouveau sommet soit aussi force de proposition. Et donc, il y a un rapport qui m'a été remis. Et puis, il y a tout ce que les jeunes, et je remercie vraiment les jeunes qui se sont préparés, qui ont beaucoup travaillé, qui sont là, qu'on va entendre tout à l'heure, parce qu'ils viennent en quelque sorte relayer, compléter, porter avec leur sincérité des propositions, mais aussi des indignations, une voix, leur regard. Et je crois que ce à quoi nous sommes très attachés avec le gouvernement.